méprisée, clochardisée, instrumentalisée. La presse au Cameroun est depuis toujours le parent pauvre de l'État de droit en chantier, sans soutien institutionnel, sans prise en compte de ses spécificités. Elle ne survit que par la passion des journalistes de faire leur travail. Après des arrestations et intimidations diverses, l'assassinat de Martinez Zogo sonne comme le coup de grâce d'une liberté de la presse visiblement de plus en plus encombrante. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce plateau consacré à l'actualité majeure au Cameroun. L'assassinat du journaliste Martinez Zogo du côté de Yaoundé, d'où la problématique de ce jour, presse, le crime de trop. C'est donc l'axe principal de débat de ce jour. Et pour en parler, nous avons convié sur ce panel des hommes de la presse et surtout avec en sa tête la présidente du Saint Syndicat national des journalistes du Cameroun. Je commence par vous, Philippe Nanga. Vous êtes de la société civile Un Monde à Venir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Salut aux autres copanélistes. Permettez que je commence par présenter ici mes condoléances à la famille de désormais feu Martinez Zogo, à tous ses proches, à tous ses collègues, fortement éprouvés comme nous autres d'ailleurs, à tous les Camerounais engagés quotidiennement à mettre sur la scène les travers de la malgouvernance, qui sont touché par la perte d'un acteur important qui permettait aux citoyens camerounais d'accéder à un certain nombre d'informations. D'accord, on en parlera tout au long de ce programme. Convié également sur ce plateau pour en parler. Lui, il est de tout combat, de tous les combats, il a été de tous les combats. Alex Gustave Azébazé, journaliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International. Un bonsoir chaleureux, malgré les circonstances, à Philippe Nanga, à Mathieu Nathalie Njok, qui est un ami, un frère d'ailleurs, et avec qui on a mené depuis une trentaine d'années un ensemble de batailles qui n'ont pas toujours été heureuses et dont nous constatons avec l'événement qui mobilise l'opinion depuis pas seulement la mort de Martinez hier, mais depuis sa disparition. Il y a presque une semaine, c'était mardi dernier, que nous avons encore énormément de chemin à faire. D'accord. Et je vais sacrifier à un usage. Je ne sais pas si ça a une signification dans une circonstance aussi douloureuse et triste, mais je veux simplement dire aux familles de notre frère et confrère Martinez toute ma compassion qu'ils trouvent en la mobilisation, à l'émotion de l'ensemble des Camerounais qui ont encore un sens minimal d'humanité, des éléments de leur confort. Ça ne D'accord. leur retournera pas leur fils, leur père, leur époux, leur collègue, mais ils doivent se dire avec ça que contrairement à ce que j'entends certains dire, Martinez n'était pas un faux-cul. Permettez-moi le terme. C'était un homme qui appartenait à
qui exerçait une profession qui n'est pas peu honorable, quelles que soient les critiques qu'on peut souvent avoir formulées comme dans toute œuvre humaine. Merci d'être venu à la table du débat aujourd'hui. Vous l'avez déjà présenté, je le refais tout de même. Mathieu Nathanaël Ndjock, de tous les combats depuis plus d'une trentaine d'années pour une presse libre et indépendante. Journaliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les téléspectatrices que je retrouve. C'est un plaisir pour moi de revenir sur votre plateau ce jour, en cette circonstance triste, parce que j'ai les larmes aux yeux, je suis révolté, je suis choqué, et les mots me manquent, je me sens désabusé et je me sens un peu impuissant, parce que je fais partie de cette presse-là qui est en train de continuer à montrer qu'elle est une presse qui a la difficulté de faire foule et de pouvoir s'élever comme un seul homme pour défendre ses intérêts. D'accord. En cela, je fais mien cette citation de Démon Tutu qui disait « Si tu es neutre en situation d'injustice, c'est que tu as choisi le camp de l'oppresseur. » Et comme moi, je refuse de choisir le camp de l'oppresseur, j'ai décidé de venir sur votre plateau ce jour. Merci de votre présence. Et Marion Aubameyel est en chemin. Elle va nous retrouver avant la fin de ce programme. Un léger retard dans son agenda. C'est la présidente du Syndicat national des journalistes du Cameroun. Elle sera avec nous. Le communiqué est rendu public depuis hier. Alors, je commence par vous. Une fois, Mathieu Nathanaël, on le sait depuis mardi le 17 janvier, on a annoncé la disparition de Martinelle Zogo et dimanche matin, c'est la consternation, c'est l'émoi, c'est la désolation finalement. On a trouvé le corps de Martinelle dans un état de putréfaction très avancé. Que vous inspire ce drame? Entrer dans l'entrée de jeu comme ça. Ce qui m'inspire ce drame, c'est que nous sommes dans un pays qui est en train de démontrer qu'elle est un navire qui n'a plus de capitaine. Nous sommes dans un pays où les forces de sécurité nous ont montré qu'ils ne peuvent plus nous protéger et où on sent que véritablement il y a des batailles qui se jouent loin de nous et au-dessus de nous, que nous ne maîtrisons pas. Parce que personne ne peut comprendre qu'un journaliste soit enlevé devant une brigade de gendarmerie avec les caméras de surveillance qu'on connaît dans la capitale de Yaoundé et que 5 jours plus tard, qu'on ne découvre que son corps et que malgré les appels de détresse de sa famille, les autorités de ce pays ont dû demander qu'on dépose d'abord une plainte. C'était grave. Et aujourd'hui, avec les informations que nous avons la preuve et nous n'en doutions pas que le renseignement de ce pays est capable de faire plus qu'on ne l'imagine et qu'ils étaient au courant déjà au moins 24 ou 48 heures après son enlèvement, ou plus tard, 24 heures après son enlèvement, qu'il était décédé. Mais les autorités et le pouvoir public ne savaient pas comment gérer cette information et ils nous ont menés en bateau jusqu'à ce qu'on ait jeté ce corps, parce qu'il n'est pas, prouvé que ce corps a fait plus de 48 heures à ce lieu. On allait le jeter là, parce qu'il fallait simplement nous distraire. On va attendre les résultats de l'enquête, mais toujours est-il que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, dans cette sortie, parle d'un crime odieux, inqualifiable et inadmissible qui ne peut se justifier sans aucun prétexte. Philippe Nanga, une réaction auquel tout le monde s'attendait, au moins est-ce que l'autorité puisse rassurer l'opinion publique que c'est une situation extrêmement grave et qui interpelle les pouvoirs publics. Non, je crois que les sorties du ministre de la Communication relèvent simplement des pratiques administratives. Ça n'a rien à voir avec une quelconque volonté à rassurer qui que ce soit. J'ai envie de dire c'est plutôt une sortie ordinaire pour un ministre en charge d'un département dont quelqu'un travaillant dans ce domaine-là est touché. Mais si on se réfère au passé, on ne peut pas ne pas se référer au passé, hein, même si on dit que les choses peuvent changer, c'est vrai.
Mais après, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, quand on lit même entre les lignes ces sorties-là, on comprend très bien qu'il n'y a rien à faire. Comme disait Nathanaël, un gars qui est capturé devant une gendarmerie, vous ne faites pas 5 jours pour le retrouver. Donc ça, c'est un problème. Et puis, voilà, on est un peu habitué à ces sorties. Oui, on regrette, les enquêtes vont être menées. Après, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Nous avons quand même sous la main jusqu'à maintenant le cas le plus emblématique, c'est Samuel Wazizi. Le gouvernement jusqu'ici n'est pas en capacité de dire clairement les circonstances de sa mort et la suite. Où se trouve son corps? A-t-il été enterré? Est-il toujours à la mort quelque part? Bon, ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours élucidées. D'accord. Et donc, je ne vais pas évoquer d'autres cas. Comment il s'appelle? Pochuta a été arrêté, torturé, battu, relaxé. On n'est pas toujours capable de nous dire qui l'a arrêté. Donc, non. Je suis désolé, mais moi-même, nous-mêmes ici, on a souvent été des victimes. Alex, il n'y a pas longtemps, sa voiture a été cassée en plein aqua. On a pris son ordinateur, il a saisi la police. On n'a toujours pas de suite. On a dit que ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas le même. On va vous dire que ce n'est pas le même cas, parce que là, on a meurt, on a un corps. Non, mais je vous donne des exemples de situations vécues par des défenseurs des droits de l'homme ou des journalistes qui relèvent des menaces et de l'insécurité et dont on n'a jamais eu de suite. D'accord? Donc, on ne va pas attendre qu'il y ait mort d'homme. Un monde à venir a été saccagé 2 fois. Moi, j'ai été visité il y a quelques semaines par deux militaires, dont un qui était cagoulé, qui sont rentrés chez moi. Je n'ai toujours pas d'informations sur qui c'était, qu'est-ce qu'il faisait là. Donc, ma voiture a été cassée à la maison, ce n'est pas la première fois. J'ai porté plainte, on n'a jamais... D'accord. Alors qu'on sait, comme nous dit encore Nathanaël, quand la police, le renseignement veut avoir un résultat, ils ont le résultat. D'accord. On a les preuves qui nous montrent que notre système de renseignement est l'un des plus efficaces dans le monde entier. Quand ils veulent découvrir quelque chose, ils trouvent... Alors pourquoi est-ce que jusqu'ici, on ne trouve toujours pas les auteurs des crimes odieux contre les défenseurs, contre les journalistes, contre plusieurs personnes? Donc, il y a un problème, et c'est pour ça que la sortie du ministre, pour moi, je la trouve comme une formalité administrative, tout simplement. Okay. Elle ne rassure en rien, n'est-ce pas, le citoyen que je suis. D'accord, c'est bien compris. Alors, Alex Gustave, il y a eu cette disparition annoncée mardi. Est-ce qu'on s'attendait, vous, à ce qu'il y ait une suite tragique de cette façon? On se disait peut-être que c'était un enlèvement banal, mais sauf que dimanche, on retrouve un corps complètement amouché. Un corps qui a subi des supplices. Est-ce qu'on s'attendait à un phénomène pareil ou à une image pareille? Madame Piedjou, je vais vous dire ça comme ça, que d'expérience de journaliste, mais aussi de citoyen qui vit dans un environnement assez mouvant, je me fais depuis des années à l'idée que si j'apprends qu'une personnalité sensible ou politiquement exposée, et les journalistes, les défenseurs des droits humains, les leaders de partis politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, font partie de ces catégories, les élus font partie de ce qu'on appelle en science de la gouvernance les personnes politiquement exposées. Si au bout de 24 heures, vous n'avez aucune information sur son lieu de détention, il faut commencer à s'inquiéter. C'est pour ça qu'il était quand même curieux. Il m'a paru curieux que plus de 48 heures après, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et c'est dimanche matin qu'on retrouve le corps balancé. Parlons encore de la communication institutionnelle autour de cela. Vous savez, évitons de donner l'impression aux citoyens que le gouvernement n'a pas de responsabilité vis-à-vis
des citoyens qui l'ont mandaté. Le souverain, c'est le peuple. C'est nous qui déléguons notre souveraineté au gouvernement qui la met en œuvre à travers différents services, administrations et consorts. Et pour revenir à une chose, à une question que vous avez posée à Philippe et je crois la communication du ministre. C'est des discours politiciens. En contexte normal, en contexte où l'État veut rendre compte des actes de ces structures sur lesquelles il a le contrôle. Ce n'est pas au ministre de la Communication de communiquer dans le cas d'un acte criminel. C'est le porte-parole du gouvernement. Non du tout. C'est le procureur de la République. C'est au procureur de la République de nous dire que sur la base des constatations, des indices, des éléments au stade, c'est écrit dans le code de procédure pénale camerounais. Je n'invente rien. Je ne sais pas ce que le ministre de la Communication a fait là-dedans. Il peut, à la limite, faire un communiqué de condoléances ou exprimer son soutien. Mais c'est un journaliste. S'il vous plaît. Mm-hmm. S'il vous plaît. Le ministre de la Communication peut faire une communication pour exprimer son soutien à la profession. Mais sur les circonstances, il y a déjà mort. D'ailleurs, même la disparition, ce n'est pas à lui de communiquer. C'est au procureur de la République. Et le procureur, le ministère du procureur dans un système institutionnel qui est assis sur l'état de droit, c'est de dire chaque fois qu'une affaire ne fait pas encore l'objet d'une instruction devant les juges compétents, mmh, ou en jugement. Il a l'obligation d'informer les citoyens de ce qui se passe. Surtout quand un citoyen qui n'est pas encore légalement privé de sa liberté d'aller et de venir est porté disparu. Moi, j'ai entendu, et Nathalie l'a dit, c'est horrible, c'est même effroyable d'entendre un commandant de brigade de gendarmerie ou bien un commissaire de police dire que non, on ne nous a pas encore saisi. Oui, je peux comprendre. Le métier de policier, le métier d'officier de police judiciaire, oui, il agit d'ordre du procureur de la République. C'est pour ça que je vous dis que je parle là des rôles institutionnels des autres. Oui. Pourquoi on n'a pas l'impression que nous venons sur les plateaux de télévision raconter nos émotions ou raconter juste nos convictions? Non. Je parle sur la base des lois, des instruments que le Cameroun s'est donné, c'est des instruments juridiques, que d'autres sont internationaux, d'autres sont nationaux, sur lesquels nous nous battons au quotidien pour qu'ils deviennent ou qu'ils soient chaque fois la boussole de l'action à la fois des citoyens et des dirigeants. Quand on n'est pas capable de le dire, quand on n'est pas capable dans une société d'avoir confiance aux institutions que nous payons, que nous nourrissons, que nous blanchissons en leurs membres, en leurs dirigeants, en leurs responsables, d'accord, on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri d'une bavure. Et sur le point précis de ce journaliste, ce confrère, dites-vous que si ça avait été même pas un journaliste, moi j'aurais eu la même posture. Hein. C'est compris. Je me serais dit, mais si Philippe vous a rappelé le cas d'une situation où nous sommes en réunion dans un restaurant connu et huppé de la ville de Douala. Au sortir de la réunion, on trouve que ma voiture est cambriolée, a été cassée, cambriolée. Ça fait aujourd'hui 3 mois et demi, c'était en novembre, ça fait 3 mois et demi, j'ai saisi le commissariat spécial de Douala Premier, Compris, oui. J'ai saisi le commissariat d'arrondissement de Douala Premier, et ensuite j'ai porté plainte à la police judiciaire. Nous sommes aujourd'hui 3 mois et demi. Je n'ai jamais été convoqué une seule fois pour être entendu. On vous dira que les enquêtes sont en cours, c'est bien compris. Bah, attendez. Alors, je rappelle donc pour donc, ceux qui... Donc, il y a un problème. Oui, c'est compris. Je ne suis pas venu parler de mon cas, mais je veux dire, si nous parlons devant la télé, si on nous invite pour que nous... D'ailleurs, on est souvent prêt à aider
les autorités, les institutions à faire avancer les enquêtes. Mais on Alex, c'est compris. Alex, c'est compris. On va poursuivre dans le débat. Martinez Zogo, c'est 51 ans, directeur général de la radio privée Amplitude FM. Il animait donc un quotidien très suivi dans la ville de Yaoundé, embouteillage, où il dénonçait quelques pratiques des autorités du Cameroun, du régime en place. Surtout ce dernier dossier sur lequel il travaillait pour ce qui est de la ligne 94 et autres. Alors comment comprendre, Nathanaël, qu'aujourd'hui en 2023, un journaliste puisse être traité de cette façon, finir son émission, se retrouver dans une poursuite, on dirait un vulgaire bandit, et à la fin, qu'on le retrouve assassiné de cette façon, ou dans un contexte où on parle de démocratie, de liberté de la presse, comment comprendre, comment est-ce qu'on explique un phénomène ou une attitude de pareil? Véritablement, cela veut dire que nos bourreaux, les bourreaux de la presse, les bourreaux des défenseurs, des acteurs de la société civile, que sont les journalistes, les politiciens et les défenseurs des droits de l'homme, veulent nous passer un message fort pour dire que nous sommes dans une république où c'est les seuls qui contrôlent et que rien ne peut leur arriver. S'ils décident, ils ont le droit de vie ou de mort sur nous. Ces bourreaux, leurs barbouzes, qui est les prévaricateurs de la fortune publique, parce qu'à l'époque, dans le métier qu'on fait, on avait peur des pouvoirs, des gouvernements qui ont un caractère dictatorial. Mais là, on sort le quatrième pouvoir. Nous ne sommes pas, et je le dis encore, la presse n'est pas le quatrième pouvoir. L'UNESCO l'a déconstruit pour dire que la presse est le contre-pouvoir. Et justement, c'est parce que nous sommes le contre-pouvoir que le pouvoir en place dans des pays comme le nôtre, on a peur plus de la presse que des hommes politiques. Et il est clair qu'il faut nous détruire, il faut nous museler, il faut nous embastiller. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le message qu'on est en train de nous passer? C'est que les prévaricateurs de la fortune publique sont en train de dire: vous avez peur de celui qui détient le pouvoir suprême dans ce pays, en fait, à qui le peuple a transmis le pouvoir suprême, qui est le président de la République. Non, on est en train de nous dire que ce n'est plus à lui qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur des prévaricateurs, eux, qui ont bâti leur fortune sur les détournements, sur les pillages, sur la prévarication, parce qu'eux, ils ont les moyens de se donner, d'acheter des barbouzes, de commanditer les barbouzes pour nous liquider tant qu'on se met à travers de leur chemin. Voilà le message qu'on nous passe. C'est un message clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme a dit RSF, et comme on l'a toujours dit, et comme on l'a dit beaucoup d'organisations, c'est qu'il est devenu dangereux de faire le métier de journalisme dans ce pays. Et je dirais, je ne veux pas m'arrêter au métier de journaliste. Je dis, même les défenseurs des droits de l'homme, on a vu comment ils sont menacés. Donc nous tous, parce que c'est nous qui composons la société civile, nous sommes menacés et livrés en partie. Il faut aujourd'hui que le gouvernement de la République nous rassure, donne un message fort pour nous rassurer que nous sommes encore dans un pays gouverné ou non, où la sécurité est contrôlée par qui de droit. D'accord. Sinon, nous allons avoir peur de faire ce métier. Et la jeune génération, je crois qu'on va les déconseiller de faire ce métier. Et je crois que leur travail, c'est de tuer ce métier. C'est de tuer ce métier. Et tout est fait pour le tuer. Voilà la presse. On est dans un pays où la presse ne se distribue pas. Aujourd'hui, on est revenu où la presse écrite est de Yaoundé. La presse écrite de Douala du Nord. Aucune presse ne va d'aucune autre. C'est compris, Nathalie. Là, on est déjà. C'est des cas. C'est pour vous dire le message que les gens nous passent. C'est compris. Et si on ne le comprend pas comme ça, là, ne vous arrêtez pas seulement au crime crapuleux. D'accord. Ça va au-delà de ce crime-là. Alors, Philippe, il y a que, même s'il y a des manquements relevés dans l'exercice de cette profession de journalisme, comme on l'a si bien signifié avec ce qu'on a lu, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur le cas Martinez, est-ce qu'il faille arriver jusqu'à la mort pour rappeler quelqu'un à l'ordre dans l'exercice de sa profession? Non, évidemment.
Je suppose que vous posez la question juste pour que je dise ce que vous savez. Non, évidemment non, qu'on n'a pas à soustraire la vie à un citoyen. Même ceux qui sont responsables des crimes, vous savez très bien que même les criminels, n'est-ce pas, ont droit à la vie aujourd'hui, on défend ça. Ils doivent répondre de leurs actes autrement que par la suppression de leur vie. Voilà. Donc, pour vous dire que si déjà quelqu'un qui a commis un crime, sa vie doit être protégée, parce que personne, aucun humain ne donne la vie à quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de supprimer ce qu'on n'est pas capable de donner en même temps. C'est pas un citoyen qui n'a commis aucun crime qui va avoir sa vie supprimée pour quelques raisons que ce soit. Non. Le métier de la paix, c'est protéger. Ça, il faut savoir ça. C'est comme le métier défenseur des droits de l'homme. Si les Nations Unies aujourd'hui ont pris des dispositions pour protéger, n'est-ce pas, ces acteurs-là, c'est pas pour rien. Il y a une déclaration des Nations Unies qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Et les journalistes font partie, n'est-ce pas, de ce groupe de personnes protégées. Et il y a beaucoup de résolutions qui existent. Je peux vous lire un extrait d'une résolution des Nations Unies qui est claire en matière de protection des journalistes. C'est une résolution du 17 décembre 2015 des Nations Unies qui dit les Nations Unies engagent les États à appliquer plus efficacement la législation en vigueur en matière de protection des journalistes et des autres professionnels des médias de façon à lutter contre l'impunité généralisée de ceux qui les attaquent, notamment grâce à des dispositifs d'application dotés des moyens de veiller rigoureusement à leur sécurité. D'accord. Vous voyez que ça, les Nations Unies, c'est les États. Le Cameroun a été à partie de ce groupe-là. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes dans des plaidoyers justement pour la dépénalisation des délits de presse, parce que même jusqu'à là, les instruments internationaux recommandent aux États de ne même pas priver les libertés des journalistes pour les faits des délits de presse. Pour vous dire jusqu'où est-ce qu'on est allé protéger la liberté d'expression. Parce que le métier de journaliste, quand vous voyez un monde à venir qui est une organisation de défense de démocratie, qui s'intéresse particulièrement aux médias, ce n'est pas pour rien. Parce que les médias sont au cœur de la construction de la démocratie. D'accord. Si vous enlevez les journalistes dans une société, il n'y a pas possibilité de construire la démocratie. C'est eux qui portent la liberté d'expression. D'accord. C'est eux qui forment, enfin, informent les citoyens. D'accord, ça c'est compris. Alors, Marion Aubamaël nous a retrouvés sur le plateau. C'est la présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun. C'est sa première dans le débrief de l'actualité. Actualité justement oblige. Marion Aubamaël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les panélistes. C'est un plaisir de vous avoir, même si le contexte est assez grave et suffisamment triste. Je commence avec vous. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a sorti un communiqué pour s'offusquer de ce qui se passe avec le cas Matinée Zogo. Vous qui êtes la présidente, est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre de façon claire la position du syndicat pour ce qui est de ce fait précis? Au-delà du syndicat, c'est une vie qui a été ôtée. Et quand on parle d'une vie qui a été ôtée, personne ne saurait rester indifférent. Et c'est quelque chose de suffisamment grave parce que ça touche à l'atteinte de la liberté de la presse. Nous sommes dans un état de droit. Il n'est pas admissible qu'un homme des médias, un journaliste dans l'exercice de sa profession, soit tué alors qu'il y a des voies de recours dans un état de droit. Le syndicat national des journalistes du Cameroun condamne énergiquement ce qui s'est passé. C'est un acte odieux, criminel, c'est un assassinat. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller au premier chef. Parce que quand une ligne est franchie comme celle-là, et qu'en face, dans le rapport de force, il n'y a pas une réaction, les gens disent « il y a un boulevard qui est ouvert ». Et nous pouvons continuer à le faire. Alors ce soir, je dis non, ça ne peut pas continuer, ça ne devrait pas continuer, comme ça n'aurait même jamais dû se produire. Donc nous allons déployer avec les journalistes, avec les membres du syndicat et les autres plateformes, des éléments de réponse structurés, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un signal, mais ça a été préparé. C'est pas quelque chose qui nous est arrivé sans savoir. Donc, il faut aussi que la réponse et la répartie soient quelque chose de structuré, de propre, mais qui va défendre durablement
les intérêts des journalistes et surtout la question de l'impunité des journalistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont dans les geôles. Il y a beaucoup de journalistes, quatre entre 2019, qui sont décédés dans des conditions troubles, dont aucune enquête n'a jamais été livrée. D'accord. Vous venez à peine de prendre la tête du syndicat. Il y a certainement des personnes qui ont réclamé votre réaction dès les premières heures depuis mardi. Et jusqu'à hier, on attendait votre sortie. Vous avez compris quand même l'indignation des uns et des autres par rapport aux attentes de voir pratiquement la réaction du SNJC depuis mardi attendue. Oui, c'est normal parce que quand on est un syndicat de 20 ans qui travaille au quotidien pour la défense des libertés et des droits des travailleurs au Cameroun, c'est normal qu'on attende une réaction. Mais également, la réaction ne devrait pas être précipitée. La réaction ne devrait pas être juste une réponse attendue. La réponse doit être structurée parce que nous avons eu il y a 2 mois 2 cas de personnes qui ont simulé d'avoir été enlevées. Et quand on a mené des enquêtes, on s'est rendu compte que non, c'était quelque chose qui avait été organisé. Donc il y a eu une question de prudence qui entourait, ça n'ôte absolument rien à la question de la vie et à la question des droits qui ont été bafoués. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, cette réaction-là, c'était une réaction qui nécessitait une prudence, mais sur les actions qui vont se dérouler, on va constater ensemble que le SNJC travaille pour la protection des journalistes. Et pour ce cas précis, est-ce qu'il y a des événements qui sont préparés en vue pour ce qui est de ce cas? Parce qu'il y a des journalistes qui ont réclamé peut-être une semaine de deuil, des actions concrètes, des actions fortes, visibles, pour attirer les pouvoirs en place, pour témoigner ou exprimer leur courroux ou le mécontentement. Donc, après la déclaration d'hier, demain, nous allons faire un point de presse avec nos membres et les médias de la presse nationale et internationale pour faire le point sur la situation. Ensuite, nous allons mener un certain nombre d'actions de plaidoyer. Nous avons, le SNJC est membre de la Fédération internationale de journalistes et de la Fédération africaine de journalistes, qui viennent d'ailleurs de commettre un communiqué d'appui tout à l'heure, qui est sorti il y a 5 minutes. Et avec cette force et cette structure, plus notre appui ici et les éléments que nous avons, la structuration du plaidoyer va se faire efficacement, mais aussi graduellement. Parce que jusqu'à présent, nous sommes à l'entame d'une situation. Nous n'en connaissons pas encore réellement la profondeur. Nous ne connaissons pas encore les réelles motivations qui ont amené à cette vie qui a été ôtée. Donc, nous devons travailler sachant que le chemin est long. Si toutes les cartouches sont déployées maintenant, on risque d'être à bout de souffle. Alors que l'action doit être soutenue, relayée, maintenue en termes de pression pour que la vérité, cette fois-ci, soit faite. D'accord. Et que nous ne passions pas une semaine ou 2 semaines après à autre chose. Non. Merci pour ces précisions-là. J'espère que les téléspectateurs sont servis à la maison. Justement, depuis l'annonce du décès de Martinel Zogo, Alex Gustave, il y a eu une batterie de communiqués, de positions. Est-ce que dans un contexte pareil, c'est important de voir des communiqués, des déclarations, des positions des uns et des autres, ça pourrait faire quelque chose pour gérer une période de crise, entre guillemets, comme ça? Oui, c'est important. C'est même ce qu'il faut faire. Au-delà de la présidente, je salue son arrivée, parce que j'étais embêté de faire cette émission sans elle, alors qu'on avait, vous savez, je suis quelqu'un de... C'est mon successeur. Donc, ça m'embêtait de devoir, à un moment donné, parler comme si je parlais au nom d'une organisation de journalistes, alors que pour l'instant, il y a quelqu'un qu'on a élu qui dirige les journalistes travailleurs. Et merci, présidente. Non, les sorties des acteurs, qu'ils soient civils, professionnels ou politiques, sont essentielles pour la construction de ce que la syndicaliste appelait le rapport de force. Absolument. Et évidemment, au-delà des sorties, au-delà des communiqués, mais il faut commencer par là.
Dans les communiqués, vous aurez remarqué qu'il y a une constance. Condamnation. Condamnation, d'un. Dénonciation. Ensuite, expression de la compassion vis-à-vis de la famille. Et enfin, la vérité, c'est-à-dire l'interpellation des pouvoirs publics. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Chacun de nous peut penser qu'il y a telle chose à faire, il y a telle autre à faire, mais tout le monde ne fait pas la même chose dans une société. Je l'ai dit tout à l'heure, les citoyens, dans une société civilisée, et nous nous battons pour que le Cameroun ne bascule pas dans la sauvagerie, dans la barbarie à laquelle on tente de nous entraîner, on va continuer à se battre. C'est le pouvoir, c'est les pouvoirs publics. Et en l'espèce, la justice ou les institutions judiciaires, qui, dont le pendant est en matière opérationnelle, la police dans le cadre des enquêtes et d'autres corps spécialisés de l'État. Parce que comme on le dit, comme certains confrères l'ont dit, il n'est pas imaginable que 48 heures après la disparition d'une personnalité publiquement connue, avec des dossiers aussi. Oui, que personne ne fût au courant de là où il était à Yaoundé et qu'on a découvert samedi soir ou dimanche matin. On a rendu qu'il était à Ebogotoua. Il ne pouvait pas être à Ebogotoua, sinon les passants l'auraient vu passer. On est venu déposer le corps à Ebogotoua. C'est du lieu où les services spécialisés de l'État, parallèlement aux enquêtes des journalistes, ils devront faire les leurs. Il faut absolument que les journalistes fassent leur job. Absolument. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les confrères ou les journalistes en activité, mais aussi ceux qui peuvent les encadrer, à ne pas se laisser abattre. C'est un défi. Il y a un défi qui nous est lancé. C'est ça. À l'exercice à la fois professionnel, exigeant et intègre de la profession de laquelle la société attend beaucoup de nous. Et on va le faire. Il faut continuer à le faire avec, bien entendu, le niveau de risque que nous connaissons. Mais chacun et collectivement, nous allons nous soutenir pour continuer à remplir la mission que la société attend de nous, pour continuer à remplir les missions que la société, que les citoyens sont en droit d'attendre de nous, parce que sans les journalistes, la démocratie dont on parle, la société pluraliste dont on est un gros trou noir. Les journalistes sont là pour sortir des, comment je l'ai dit, de l'opacité, les questions qu'on veut, que ce soit les pouvoirs, mais ça peut ne pas être les pouvoirs, ça peut être même des individus qui sont dans des organisations, qui peuvent être des organisations criminelles, et qui pose un défi à la vie commune dans la société. D'accord. Et le rôle des journalistes, c'est de le faire de manière professionnelle, de manière intègre et de manière tout à fait comprise. Sauf que pour ceux qui ont regardé les images atroces qui venaient de Yaoundé depuis hier, on se pose des questions sur le métier de journalisme. Est-ce qu'il faut continuer? Parce que là, on doit craindre le pire, non, Nathanaël? Oui, on doit craindre le pire. Le pire est arrivé. Non, en fait, il y a d'autres choses. Il faut encore craindre le pire. Il faut encore craindre le pire. Et comme a dit la présidente, il faut donner et montrer un rapport de force. Si on ne le montre pas, il faut continuer à craindre le pire. Parce que des informations, nous sommes journalistes, des informations, je l'ai dit depuis mercredi ou jeudi, il y a une liste. Il y a une liste des journalistes qu'il faut zigouiller. Et ce n'était que Matinez Ogun n'était que la deuxième personne. La première était Paul Tchuta. Paul Tchuta a été, dans les mêmes circonstances, enlevé, massacré, laissé pour mort, et ils ont cru. Et c'est la leçon de Paul Tchuta qui a fait qu'avec Matinez Ogun, ils n'ont plus fait la même erreur. Ils sont allés jusqu'au bout, s'assurer qu'il est mort et aller jeter son cadavre. Et donc, si aujourd'hui, la presse continue à être amorphe, continue à être indifférente, continuer à se contenter des communiqués parce que des gens ne veulent pas froisser leurs amitiés, parce que beaucoup de patrons de presse, beaucoup de journalistes... Mais depuis hier, les gens ont peur pour leur vie. Vous voilà. Avez des chacun, non, c'est pas qu'ils ont peur pour leur vie, c'est que les gens ont des acquaintances avec ces pontes du régime, ces gens-là qui nous gouvernent, ces gens-là qu'on soupçonne d'être derrière tout ça-là. Et les gens ont peur donc de prendre les devants de la scène, de prendre les devants pour qu'on porte la voix à l'unisson de la presse. Nous ne demandons pas à un journaliste de porter la voix. Nous demandons, et la présidente l'a dit, du syndicat le plus leader, le syndicat leader de la presse au Cameroun, que
on va mener des actions de mobilisation pour que cela ne s'arrête pas comme Wazizi, où le corps n'est pas remis à la famille, où l'autopsie, le résultat de l'autopsie n'est pas connu, où l'enterrement n'est pas connu, où rien n'est fait, parce qu'on nous a manipulés, on nous a opposés, on nous a divisés, et ils en ont profité. Et comme elle a dit à l'entame de son propos, et ça a ouvert le boulevard. Donc on a. Du coup, on fait qu'une semaine après, on oublie. Voilà, la situation actuelle. Et on est en train de travailler la presse là-dessus, à nous diviser et à nous réduire dans les considérations pluriel, où on dit allez, on fait déposer une gerbe de fleurs, allons faire ceci. Après demain, on est passé à autre chose. Non, il ne faut pas passer à autre chose. Il faut mener des actions fortes, les maintenir sur la durée, pour qu'on fasse entendre notre voix, qu'on sente que la presse camerounaise, de plus en plus, est désormais, est forte. Et moi, sur vos propositions. Et moi, j'étais aujourd'hui à une conférence de presse de qui a donné une centaine de la société civile qui ont dit qu'ils sont prêts à accompagner la presse, qu'elles veulent voir la presse se mobiliser. Elles vont s'aligner pour que toute la vérité soit dite, même si on sait que dans ce pays, on dit chaque fois qu'on met les commissions d'enquête, c'est qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas donner les résultats d'enquête. Parce qu'aucune commission d'enquête dans ce pays n'a produit des résultats connus. Philippe, je veux aller un peu plus loin avec vous dans l'analyse de ce qui nous arrive. Est-ce un crime de plus ou alors un tournant dans la violence sociopolitique? Parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête seulement aux faits, mais il faudrait penser à autre chose derrière tout ce qui se passe depuis hier, quand vous faites, si on parle depuis hier, la découverte du corps. C'est un tournant, c'est une étape supérieure, parce que ce qui vient de se passer, c'est une autre étape, n'est-ce pas, de la répression qu'on n'avait pas vécue jusqu'ici, de mon point de vue. Quand je fais les analyses, je réalise qu'on nous envoie un message clair. Le message clair, c'est désormais, nous allons agir à visage découvert. On ne va pas se cacher. Vous parlez de moi, je vous tue. C'est tout. Vous parlez de moi, je vous tue. Parce que tout le monde savait que le mec, il était menacé, qu'on pourrait l'arrêter, qu'on pourrait le tuer. C'est ça qui s'est passé. Il a même dit dans sa dernière sortie, de l'émission embouteillage qu'on a suivi. Le message est clair. Vous parlez de moi, je vous tue. Parce que si vous regardez quelqu'un comme lui, parce que nous, on nous enseigne en matière de défense des droits de l'homme que quand vous êtes en danger, vous devez parler. D'accord ? Vous devez parler, tout le monde doit être au courant parce que ça fait reculer la menace. Mais non, quand au contraire, n'est-ce pas, vous parlez, attention, je suis en danger, mais on vous menace quand même, on vous prend, on vous tue comme on l'a fait. Ça veut dire que les gars vous disent, on s'en fout. Et quand on va prendre un gars devant une gendarmerie, c'est un message assez fort. Non, vous pouvez entrer à l'intérieur, on va vous chercher là-bas. On va vous tuer parce qu'on vous a dit qu'on va vous tuer. C'est un message clair. Et il est dangereux, ce message. Il est dangereux. C'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait ici un discours cohérent en matière de mobilisation. Parce que si on laisse faire, nous ce matin, on a fait une conférence pour donner le ton. C'était une conférence juste pour donner le ton parce qu'on est en train de préparer aussi d'autres actions. On va se mettre en connexion avec le syndicat parce que nous avons dit, nous, la société civile, nous défendons les droits de l'homme. D'abord. Voilà. On défend la démocratie aussi. Maintenant, le gars, il est dans une corporation. Il faut qu'on se mette en connexion avec la corporation pour agir ensemble. D'accord. Ce matin, on allait déposer le petit propos qu'on avait préparé au gouverneur. On a déposé là-bas. Il nous a fait appeler et il nous a reçus tout à l'heure. Je sors de là. Le gouverneur nous a reçus. Nous lui avons indiqué clairement notre position. On ne va pas laisser faire. D'accord. Donc, il faut qu'il y ait des actions fortes qui se mettent en place. Sinon, on va nous tuer tous. Parce que je vous garantis que c'est depuis quelque temps, depuis un an et demi, j'ai commencé à dire que la situation va se durcir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va aller vers 2025, la situation va se durcir. On est dans une phase de changement de régime ou de, comment on dit ça, conservation de régime. On est dans une sorte de carrefour où il y a plein d'incertitudes. Au sein du régime, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer demain. Et donc les luttes vont être fratricides. Et donc ceux qui travaillent à la surveillance, au contrôle citoyen, vont être en danger. D'accord. Parce que nous, notre métier, c'est d'observer, de regarder comment on gère les choses publiques et de dénoncer. C'est bien. Et donc on va se mettre en danger. C'est pour ça que je dis que c'est une étape supérieure.
Parce qu'on a vu venir la mort et elle s'est concrétisée. Ça veut dire que les commanditaires ne craignent rien. D'accord, c'est bien compris. Alors, Marion Aubameyang, comment faire dans ce contexte d'intimidation, d'arrestation, aujourd'hui d'assassinat? Comment est-ce que le journaliste fait dans un environnement pareil où tout est incertain avec tout ce qui se passe? Vous avez un dossier sur lequel vous travaillez, vous avez peur même de vous mettre au devant de la scène parce qu'il y aura des coups de fil, il y aura des menaces de mort, etc. Et à la fin, c'est une vie, des vies qui partent comme ça, en un temps record. Oui, je voudrais, si vous avez suivi mon propos liminaire, j'ai parlé de la préparation en face. C'est-à-dire qu'il y a les strates d'installation de la terreur et de la peur. Et progressivement, on amène les médias, les hommes et les femmes de médias, à avoir peur de travailler, de donner la bonne information, de collecter, de s'exprimer. C'est une organisation pour que la liberté d'expression recule. C'est une organisation pour que les hommes et les femmes de médias reculent. Pour que le vide qui est laissé ne permette pas qu'il y ait une organisation qui puisse dire non et stop, qui est un rempart contre la liberté de la presse et la protection des journalistes. Donc, la première chose que je voudrais dire, parce que on est fort quand on est ensemble, et je pense que j'ai travaillé de longues années avec Alex Gustave Azébazé sur des dossiers, et on avait un principe qui était un principe de partage, et qui était la garantie de notre protection à nous tous. C'est-à-dire que lorsqu'une personne travaillait sur un dossier, il avait une personne qui travaillait au messager, à mutation, voilà, pour que nous puissions être sûrs que nous avons la bonne information, mais nous avons la capacité de réagir tous au même moment. Ce qui garantissait que si vous touchez l'un, toutes les informations, nous pouvons les distribuer en temps et en heure. C'est un principe de garantie pour nous et de sécurité de l'information. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont parfois, peut-être pour le scoop, vont parfois peut-être parce qu'ils ont besoin de donner rapidement l'information. Pour les guerres de clans aussi. Voilà, les guerres de clans. Et il y a une question de sécurité qui est qui n'est pas prise en compte. Et ça, c'est dangereux. La deuxième chose, c'est qu'il faut appartenir au groupe de la corporation. Parce qu'aujourd'hui, il y a le cas Martinez. Demain, ça peut être n'importe ici, nous sommes autour de cette table, personne n'est à l'abri. Okay? Mais si nous sommes dans une corporation qui est organisée, qui est forte, qui a des plaidoyers et qui a le rapport de force, parce que c'est ça le rapport de force. Si l'autre sent en face de vous qu'il y a une menace, il y a une pression qui est maintenue, il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec vous. Mais si c'est que vous êtes seul, que vous êtes délaissé, que vous avez un camp et qu'il est en face de vous, ceux qui donnent les informations ne vous garantissent pas votre sécurité. Ça, il faut faire très attention. Parce que quand les journalistes vont, ils collectent, on leur donne des informations et tout, ils pensent qu'ils ont des amis. Ils vous donnent l'information, mais ils ne vous donnent pas la sécurité. Qui vous protège lorsque vous êtes dans cette situation? Donc, le syndicat invite les journalistes à adhérer au syndicat, à suivre les consignes du syndicat et à dénoncer tout ce qu'il y a autour d'eux qui serait susceptible d'être une matière, parce que tout à l'heure, on parlait d'avoir un regard, de dénoncer, d'être des veilleurs sur la question de l'équilibre des journalistes et de l'information au Cameroun. Si on n'a pas des veilleurs et ceux qui travaillent à structurer le combat, on va avoir des difficultés comme celles-là qui vont perdurer. Donc, je dis, le gouvernement a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Parce que nous sommes dans un état de droit et la sécurité des hommes et des médias lui incombe. Donc si aujourd'hui on n'est pas capable de travailler sereinement, si aujourd'hui on ne peut pas bénéficier de la protection, si aujourd'hui l'impunité est à ciel ouvert, il faut bien falloir que le gouvernement nous dise si on doit arrêter de journaliste. En face de vous, on vous dit manquement grave. Donc, pour ce qui est du non-respect de l'éthique, de la déontologie, diffamation, on vous balance là en face comme ça pour vous dire que véritablement, vous ne faites pas votre travail, donc vous méritez. C'est absolument. Puisque ce sont des arguments qui sont revenus C'est pas des arguments, c'est des effets de manche. Voilà, c'est des effets de manche. Et c'est des éléments
de structuration pour déconstruire le travail qui est fait. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il n'a pas fait, il n'a pas respecté la déontologie, il n'a pas fait son travail, et en face, vous le butez. Est-ce qu'il y a une proportionnalité dans ce que vous êtes en train de faire? Non, ça veut dire que vous avez décidé de dire que si vous m'attaquez, si vous parlez de moi, je vous élimine. Il n'y a pas un état de droit là. Il y a la justice, il y a les institutions. Et les droits de réponse. Il y a les, aujourd'hui, il y a les juridictions, toutes les juridictions où vous pouvez porter plainte. Le Conseil national de la communication. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont emprisonnés pour des délits. Donc, pourquoi est-ce que la solution serait d'ôter la vie? On sait qu'ils sont trop forts. On sait qu'ils ont tout le pouvoir. Mais le rapport de force s'organise. Mais pour le cas d'espèce, je voudrais même dire que je ne veux pas accepter qu'on essaye de dire que Martinez Ogo n'était pas professionnel. Parce que pour le cas d'espèce et pour le dossier qu'il a maintenu depuis 2 semaines dans son émission sur il la dénonciation des révélations pour cette semaine. Sur les lignes 94 et 65, Martinez Ogo, il a été démontré aujourd'hui que Martinez Ogo a envoyé des demandes d'interview à toutes les personnes qui étaient impliquées, qui ont refusé de répondre et qui lui ont tout simplement dit de ne pas traiter de cette question. Et puis, Martinez Ogo, son émission, c'est une émission de défense, de dénoncer les injustices. On t'arrache un terrain au quartier, tu viens avec le dossier, s'il voit que c'est clair. Il mène son enquête aussi. Il donne toujours la parole au camp d'en face. Je ne sais pas pourquoi on peut le vilipender. Autant moi, je ne le connaissais pas comme un être humain, je connais comme un confrère, c'est un homme de médias, c'est tout. Je n'ai jamais vu rencontrer Martinez Ogo de visu. D'accord. Avant de faire le dernier tour de table, parce que. Oui, je crois que cette affaire. Nous révèle un côté du pourrissement de notre société. C'est vrai. On considère que chaque journaliste doit être dans un camp. Il faut être étiqueté. Puisque vous avez des journaux qui n'ont même pas fait allusion au cas de Martinez et vous disent justifient quand même leur choix. Dans un pays où on demande en même temps aux journalistes d'être professionnellement. Être des patriotes, parce que c'est l'expression qu'on utilise de plus en plus. Le patriotisme dans le journalisme, c'est de faire professionnellement son journalisme. Journaliste n'est pas là pour tout plaire aux gens. Non, je voulais dire que le débat de quartier que je lis sur les réseaux sociaux ou dans les trucs, je ne suis pas méprisant en disant ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'un métier qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Un journaliste qu'on enferme dans un camp n'en est pas. Un journaliste peut avoir des positions. C'est la liberté d'opinion, là. Absolument. Mais un journaliste en situation professionnelle, il peut traiter un sujet favorable à tel aujourd'hui et demain traiter un sujet défavorable à tel concerné. On fait juste le travail. Et donc, ce que j'entends dire, c'est que ce gars-là, il mangeait à tous les râteliers. Et donc, du coup... Attendez. Et donc, du coup, des gens, des situations qu'il a pu dénoncer. Moi, je n'ai aucune position définitive. Il faut que les enquêtes vraiment se mettent en place. Il n'aurait pas dû aborder telle chose ou telle autre. Maintenant, on ne peut pas demander ça à des journalistes. Mais rien ne nous a interdit. Alors, moins de 5 minutes justement pour faire le dernier tour de table pour sortir de ce programme. On va continuer d'ailleurs pour évoquer, puisque c'est l'actualité majeure. Finalement, Philippe Nanga, que peut le gouvernement, dans une situation pareille, sortir? Je ne sais pas si le gouvernement peut faire quelque chose. Je crois que c'est que, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas au gouvernement de faire. Dans tous les cas, les citoyens doivent faire. Parce que dans une société normale, les politiques, vous savez, n'engagent pas des choses. Ils prennent des décisions parce qu'ils ont la clé de la décision, mais ils reviennent aux citoyens d'en clasher, n'est-ce pas, de faire engager des choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons là de la matière pour construire une véritable mobilisation et faire arrêter cette hégémonie. Je crois, si nous ne... Je ne vais pas dire profiter. Si nous ne nous servons pas de ça comme une opportunité de construire des synergies, des coalitions fortes, je me réjouis que le syndicat soit dans cette dynamique parce qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si on n'arrête pas ça, je vous dis qu'on va assassiner les gens
au fur et à mesure qu'on va avancer, n'est-ce pas, vers les incertitudes. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous appelons tous les acteurs associatifs, syndicaux, les groupes des journalistes, qu'on se mette ensemble pour, au moins pour une fois, nous ayons la capacité de créer un rapport de force qui oblige le gouvernement à rendre compte. Parce qu'on peut y arriver. Si jusqu'ici, nous n'avons pas eu des résultats des enquêtes, c'est parce qu'on n'a pas mis la pression. D'accord. Je pense que si on décide que tout le mois de janvier, de février, nous allons mettre la pression, nous allons multiplier les activités de revendication, on aura des résultats. Merci beaucoup. Alors, Nathanaël, comment faire pour fusionner toutes les énergies? Parce qu'on a l'impression qu'on va en rendre dispersé là depuis hier, depuis mardi. Comment faire pour fusionner toutes les énergies pour qu'il y ait véritablement un acte fort? En quelques mots. Il faut que la presse prenne conscience de simplement de ce que j'ai relayé ici, là, en disant que il y a Martin Dasmo qui disait, quand ils sont venus me chercher, ils sont venus chercher des communistes, j'ai dit que j'étais protestant. Quand ils sont venus chercher des juifs, j'ai dit que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher des syndicalistes, j'ai dit que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus finalement me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Donc si on ne prend pas conscience, nous tous dans la presse, que les gens restent avec ce qu'on appelle les camps, et on vient de le démontrer ici, chaque fois qu'on croit que votre informateur vous donne l'information, il ne vous protège pas. D'accord. Donc, qu'on ne croit pas qu'on a des amis, le journaliste n'a pas des amis. Il n'a que des gens qui ont des intérêts, qui veulent les utiliser pour une cause. Donc, nous avons, et aujourd'hui, on dit, il est dangereux de faire ce métier dans ce pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mobiliser, il faut se structurer, il faut adhérer dans les corporations pour faire chorus, pour être d'accord, nombreux et suivre les lignes et arrêter tous des plans d'action qui vont nous permettre de faire bouger les lignes. Alex, coup de grâce pour la liberté de la presse, finalement. C'est un choc. On n'en est pas loin. Ouais. C'est un choc, mais je sais pas pourquoi je suis optimiste. Je fais partie de ceux qui considèrent que face à certaines crises, il faut les retourner comme des opportunités. J'ai l'avantage d'être transversal. En même temps que je suis peut-être on dirait ancien leader syndical, mais de toutes les façons, tu ne peux pas être membre fondateur d'une organisation. Et tu, on fait compris, terminé. En même temps, je travaille avec les organisations de la société civile. Les plaidoyers structurateurs, il faut que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a que ça de vrai. Que ce n'est pas parce que telle porte une initiative qu'elle est exclusive et que les autres ne doivent pas tirer parti de ce qu'ils ont quelqu'un qui, ou bien ils ont quelqu'un, un compatriote, une organisation qui les amène à regarder dans un sens. On participe à des plaidoyers pour amener les pouvoirs publics précisément à internaliser de manière très claire un certain nombre de principes internationaux auxquels ils ont adhéré à travers la ratification d'un certain nombre d'instruments internationaux. Marion, je termine par vous. On reste attentif à ce qui va se passer au SNJC pour gérer cette actualité. Dès demain, comme je l'ai dit, on va avoir un point de presse. Et puis on va structurer le plaidoyer avec les membres de la société civile et des collectifs qui vont nous rejoindre avec l'appui de la Fédération internationale de journalistes. Parce que là, c'est un crime contre l'impunité. Et c'est une épée de Damoclès qui est tombée. Elle n'est plus restée suspendue. Et nous allons... Le syndicat national des journalistes du Cameroun est un syndicat de lutte. Nous sommes sur le terrain depuis 20 ans et on va dérouler la machine qu'il faut pour qu'en face on sente qu'il y a une limite qui a été franchie et nous ne pouvons pas rester tranquilles. Le journaliste, vous dites quoi aux journalistes qui vous regardent? Nous disons qu'il faut qu'ils se tiennent prêts pour les mots d'ordre que nous allons lancer dès demain pour nous déployer sur le terrain.
Marion Obamael, président du syndicat national des journalistes du Cameroun, ça a été un plaisir de vous avoir sur plateau. Philippe Nanga, Un monde à venir de la société civile, merci pour votre présence. Alex-Gustave Azebazé, journaliste également. Mathieu Nathanaël Djok, merci, journaliste, merci de votre présence. Demain, le débat se poursuit. On espère que les journalistes ne seront plus jetés comme des chiens ou des chiots pour permettre aux bourreaux de pouvoir se réjouir. On reviendra demain pour la suite du débat. Mesdames, messieurs, bonsoir.